Les petites pétrolettes, là, les deux roues, il y en a beaucoup, ils passent comme des bombes, c'est presque dangereux parfois, ils nous frôlent et je sais pas si on voit sur le film, il y a la fumée, c'est un peu pollué, c'est pas très agréable à respirer. Ok, je vais vers où je suis logée. Là c'est en bas où vit Amine, je crois qu'il dort dans la pièce qui est là quand il y a du monde. Ok, là c'est en bas où vit Amine, je crois qu'il dort dans la pièce qui est là quand il y a du monde. Là c'est ma chambre. Là, c'est où est Ella et son ami Francisco, qui est andalousien, espagnol. On va aller à l'étage supérieur. Donc le petit coin salle de bain toilette. On a les toilettes avec en même temps la douche. Le coin cuisine où on peut se laver les mains et les dents. Et ce que je préfère, c'est la terrasse. Je pense que je vais aller là travailler. Pour le moment, il y a encore de l'ombre. Alors, donc, voilà mon premier jour à Marrakech, si on accepte mon arrivée hier. Là je suis dans le coin, mon coin préféré dans cette maison, c'est la terrasse où je vais travailler un peu avant que ce soit trop ensoleillé, parce qu'en fait il n'y a pas de table et j'aime pas tellement, je suis pas confortable quand je travaille assise avec l'ordi dessus. Bref, je pense que je vais pouvoir quand même faire quelques heures aujourd'hui. Il faut vraiment que je livre certaines commandes. Alors ce matin je suis donc partie en même temps, j'étais prête en même temps que Ella et son compagnon donc espagnol de qui j'ai fait la connaissance, Francisco. Donc c'était un petit mélange en baragouine entre français, elle anglais, et puis enfin surtout anglais-français, et puis quelques mots d'espagnol et d'allemand. On est allé prendre un petit déj sur la place principale, très touristique. Donc Marrakech est vraiment très touristique. C'est à voir, hein, bien sûr, je suis très contente d'être venue, mais voilà, c'est très touristique. Je croise autant de locaux que d'Européens dans les rues. Donc vous avez peut-être vu sur le film, il y a beaucoup de deux roues, comme je l'ai dit, et qui nous frôlent, enfin c'est presque dangereux, et puis ça pue. Ils se déplacent, j'ai l'impression, beaucoup en deux roues au lieu de à pied. On voit plutôt à pied les touristes. Voilà, sinon que dire, il y a les serpents, je me suis laissée prendre au jeu, j'ai pas spécialement peur des serpents, en fait au début je voulais juste filmer le cobra là qui se dresse, bien sûr pour prendre un film ou une photo il faut payer, donc voilà c'est le jeune qui a pris, alors je sais pas trop ce que ça donne, je crois pas que c'est terrible comme qualité de photo et vidéo, mais bon, ça fera un souvenir et puis après on donne l'argent et... Moi j'ai réussi à négocier à 50 dirhams, 5 euros, ce qui était déjà trop, mais eux ils me demandaient carrément 100, j'ai dit non, non, pas question. Et donc moi je me suis dit, après quand j'ai vu les serpents, bon celui qui était sur moi était complètement inoffensif, on peut le caresser, tout ça, c'était la première fois que je prenais un serpent, et je trouve ça triste parce que c'est pas des animaux qui sont heureux. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font pour qu'ils soient comme ça calmes, j'ai aucune idée, j'y connais rien, mais ça me fait mal au cœur. Parce que ben voilà, ils sont en captivité et c'est pas du tout leur vie naturelle. Il y avait la même chose avec, j'ai vu des gens avec un petit singe. J'adore les singes, mais bon voilà, je ne vais pas encore donner de l'argent pour ça. Voilà. Et puis sinon, ben je trouve, enfin ce qui me convient le mieux, c'est d'être comme ça ici, de mêler aux gens et de pouvoir leur parler à la population locale. Et pas du tout en mode touristique où en fait on fait que survoler, on voit pas vraiment le pays, on est là un peu en je sais pas trop comment, superficiel quoi, donc c'est pas du tout mon truc, donc je suis contente de pouvoir en tout cas pour 2 nuits être là chez Amine et parler avec lui. à l'heure après avoir travaillé un moment et j'ai pas filmé. Voilà, je me suis baladée tranquille, donc vous aurez pas tellement d'images de ces moments-là, c'est pas grave. Comme vous le voyez, j'ai acheté ce matin un t-shirt. Il y a quelques Africains qui sont par là, donc j'ai pris un type plutôt africain que marocain, mais voilà, je suis tombée là-dessus. J'avais besoin d'un t-shirt vu que l'autre avec nos aventures des Diana Jones, je l'ai troué. Je suis passée devant un tailleur, il a regardé, il m'a dit qu'il pourrait pas le faire, donc je verrai en France pour réparer un peu ses trous. Enfin bref, on verra parce que le t-shirt est quand même très joli. Bon, en attendant, donc j'ai ça. Sinon, donc je suis sortie tout à l'heure. Je me suis dit vers 5 h, j'avais Khaled m'avait dit que je passe parce qu'il l'avait à me conseiller sur un hammam massage, donc je suis allée là-bas et il m'a dit, enfin il n'était pas là et les serveurs m'ont dit ah mais il a congé aujourd'hui. Je me suis dit bon c'est quoi ça, il me donne rendez-vous alors qu'il a congé, enfin bref c'est pas grave. Donc j'ai continué ma route. Ah oui, j'ai trouvé en chemin une petite blouse très sympa pour 5 €. Enfin voilà, très jolie, je la mettrai un peu plus tard. Donc je suis contente. Et puis sinon, donc je suis allée sur la grande place. Alors du bruit, des spectacles de partout, des gens qui veulent que vous achetiez. Enfin bref, à force on répond plus parce que sinon c'est évidemment pas possible. J'ai voulu chercher en fait un hôtel, puisque là ce soir c'est la deuxième nuit et après demain il y a quelqu'un qui vient, donc je voulais chercher un hôtel. J'ai trouvé quelque chose, je suis très contente. 60 € pour une chambre dans un hôtel qui fait quand même assez, vraiment quand même luxueux, qui est, bah, vous verrez en film, hein, je vais filmer, tout près de la grande place principale. Alors j'aurai une chambre simple avec bon qui donne sur la rue un peu bruyante, mais bon c'est pas grave. Il y a une piscine, donc je vais essayer d'en profiter. Voilà, vous verrez tout ça le moment venu. Donc ça c'est bon pour demain. J'ai déjà payé la chambre. Et sinon en revenant, je me suis acheté des petites pâtisseries pour grignoter quand je veux. Pâtisserie orientale. Donc voilà, la boîte c'est 50 dirhams, donc 5 €. Bon, je sais pas, c'est peut-être un peu cher, mais bon, c'est pas grave. C'est les prix des touristes. Et puis sur la route du retour, j'ai été comment on dit, rabattue, enfin bref, j'ai été interpellée par un Africain. Il m'a dit qu'il venait du Cameroun. Il voulait me montrer en fait la maison de massage et hammam pour laquelle il travaille. Il me dit les propriétaires c'est un mari et une femme qui sont français. Et je me suis dit bon pourquoi pas. En plus j'aimais bien le nom, les mains, les petites mains des fées, quelque chose comme ça. Bref. Donc on a parlé un peu, j'ai dit comment c'est, tu vis ici depuis longtemps, il a dit ça fait 9 ans que je vis ici, j'ai dit comment c'est, il dit oh c'est pas facile, il y a le racisme et tout, je dis ah bon d'accord. Et donc je suis allée voir ce centre, alors j'ai été très bien accueillie, ils m'ont donné un petit thé, c'est très classe, c'est très, je me suis sentie bien vraiment, ils expliquent plein de choses, tout avec le savon noir, enfin bref je verrai ça demain, je redemanderai des explications, je verrai un petit peu plus comment c'est parce que j'ai réservé pour demain, je suis super contente. Il y a la manager qui était super sympa, ça a bien passé entre nous, donc du coup bah, j'avais envie d'y aller. Et voilà, donc je vais prendre pour une demi-heure. J'hésitais à faire le hammam parce que je savais pas trop, mais bon ça a l'air bien quand même. Ils vont nous, pendant une demi-heure ils nous lavent, ils paraissent comme un bébé, avec du savon noir, tout ça, enfin plein de choses, du gommage. Et après donc j'ai pris un massage, alors j'ai pris 1 heure, il y a aussi les pieds tout ça, et puis ils vont m'offrir une pédicure. Voilà, tout ça pour 430 dirhams, donc 43 €, il n'y a rien à dire hein, franchement. Donc je me réjouis, j'ai pris ça demain à 6 h 30, donc je serai installée à l'hôtel et j'aurai travaillé parce que après on est super fatigué, je vais pas travailler après ça. Voilà, et puis ben c'est tout pour le moment. Là je vais finir ma commande et puis après je vais aller manger. À bientôt. voilà, donc j'ai déambulé un peu au hasard des rues, j'ai pas pris le même chemin. De toute façon, toutes les rues se retrouvent sur la place centrale. Voilà, donc je peux pas me perdre. Et je suis tombée sur un petit truc qui a l'air d'être, voilà, pas connu, enfin tout perdu. Earth Café, mais il y avait quand même des panneaux avant, c'est pour ça que j'ai suivi, c'était marqué végétarien, etc. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait un peu alternatif et je suis rentrée, donc c'est ce qu'on a vu en film, et puis ben il n'y a personne. C'est très spécial, c'est une ambiance particulière. On va voir après ce que ça donne. De fruits précis, ah, je ne sais plus quoi, je crois que j'ai pris gingembre, orange. Non, j'ai pris gingembre, non pardon, je vais y arriver, curcuma et orange. Hamburger végétarien, latte, mangue, noix de coco, des herbes et je crois que ouais, c'est à peu près tout. Et je prends un peu de riz aussi, ça a l'air super bon.